C'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour normalement terminer notre aventure sur Shadow of the Colossus, puisqu'en effet, les amis, 12 colosses vaincus, et ce en seulement 3 streams. Ce qui nous fait un total de 4 colosses par stream éliminés depuis le début de l'aventure. C'est incroyable, c'est vraiment une très belle prestation jusqu'à présent. Et nous allons bien sûr enchaîner et tenter de ressusciter notre bien-aimé à la fin de ce live. À moins qu'il y ait vraiment encore beaucoup de choses à faire une fois qu'on a éliminé les 4 derniers colosses. Et dans ce cas-là, ça devient compliqué. Nous avions remarqué que nous n'étions pas seuls, finalement. Regardez. Des gens commencent à finalement s'inquiéter de nos actions. Ces gens même qui appartenaient peut-être à notre clan. Clan que nous avons dû quitter pour rejoindre ces terres sacrées et ressusciter notre... Notre bien-aimé, voilà pour le petit résumé, et nous sommes partis avec Roberto! Le grand, le seul, l'unique... Ok, je me trompe de touche à chaque fois, à chaque début de stream, c'est pareil. L'unique Roberto! Et hier, il n'y avait pas de live, en effet, c'est comme ça, et si vous êtes triste, eh bien... Je suis désolé, tout simplement. Voilà, on va pas non plus être méchant. Si vous êtes triste, je n'ai pas envie que vous soyez triste, donc je suis désolé. Mais, en effet... Le live sur Shadow of the Colossus ne reprend qu'aujourd'hui. On va bien s'amuser aujourd'hui. Direction. Il y avait une forêt là-bas. Visiblement direction la forêt. Je sais pas s'il y a un passage à gauche de la forêt, sinon on prendra l'entrée à droite. Il s'est passé quoi dans les anciens lives? Bah exactement ce que je viens de vous décrire finalement. Voilà, les colosses qui sont morts, des gens qui commencent à s'inquiéter de ce qu'on fait, et c'est tout. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac ici. Oh oui, c'est un cul-de-sac ici. Demi-tour! On va passer par la forêt. Ça marchera mieux. Wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce petit détour, Roberto? Roberto, toi et moi, ça se passait... Enfin, entre toi et moi, ça se passait très bien. On va essayer de pas se fâcher. Pas dès le début. Il y a un jardin secret en haut du temple. Eh ben, très bien! Incroyable. On ira voir ça à la fin. Non? Enfin, j'imagine qu'à la fin du jeu, on ira dans le jardin secret pour affronter le boss secret de je ne sais quoi. Rien ne se passe exactement comme prévu dans ce genre de jeu. Il faut s'y attendre, forcément. Donc on avait déjà traversé cette forêt. Plutôt mystérieuse. Qui nous avait mené à la salamandre, comme on va l'appeler. Le colosse de feu. Donc il y en a un deuxième qui se cache non loin de ce dernier colosse que nous avions éliminé. Alors, ah non, c'est le désert ici. Ah, attendez. Ah, c'est le Chiantos de Deseros. Ah, on peut peut-être tenter quelque chose. Non, on peut pas tenter quelque chose. Tant pis, on va aller par là. Sautez! Saute mon gars, saute! Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ouais, donc je me rappelais en effet de passer par là la dernière fois et j'avais fait le même détour stupide en tombant ici. Mais bon, du coup, on refait la même chose, hein. Au point où on en est. Enfin, c'était pas spécialement un détour stupide la première fois puisqu'on avait quand même récupéré de la vie en passant par là. Sauf que, bon bah, on est déjà passé par là. Et vous voyez ça, il n'y a plus rien dans les arbres. Donc, j'aurais dû prendre à droite quand j'ai pris à gauche dans la forêt. C'est pas grave. C'est tellement grand pour rien ici. C'est joli, mais c'est grand. Et c'est vide. Est-ce qu'on pourrait pas passer tout simplement par en face? Je pense que oui. Si Roberto arrive à nous suivre. Où est-il? Est-ce qu'il est là-haut, Roberto? Est-ce qu'il va réussir à nous rejoindre? Je ne sais pas.
Le mystère est complet. Je pense qu'il devrait arriver face à nous, là. Par la grotte, si tout se passe bien, s'il arrive à retrouver son chemin. Sinon, on va devoir continuer à pied. Abandonné par Roberto. C'est cool de te rencontrer au Québec. Ah bah, ça tombe bien, j'y retourne bientôt. J'y retourne dans un mois et demi. Roberto, t'es où? Pas possible, ça. Roberto! Est-ce qu'on est toujours sur le bon chemin? Oula, oula, oula. Oulala! C'est bon! Il est là! Alors, on est parti! Enfin! Le retour de Roberto. Alors, est-ce qu'on doit aller dans ces petites ruines là? Oula, il y avait autant de vent la dernière fois? Je sais plus. Il me semble que oui. Quoique. Oula, oui, ça devient compliqué là. Qu'est-ce qu'on a ici? What? Que se passe-t-il? Ah d'accord! Mais what the fuck? Mais what? D'accord. Ok. Très bien. Bon bah on a trouvé ce qu'on cherchait. Ah mais c'est le plus grand qu'on ait affronté jusqu'à présent. Et en plus il vole. Il vole les amis. Il y a plusieurs points faibles hein. Vous voyez ça. Oh, c'est son point faible ça. Ça lui fait des dégâts. Est-ce que c'est ce qui lui permet de voler peut-être? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui lui permet de voler. On va essayer de lui trouver les trois. Il va vite hein. C'est pour ça que la zone est immense pour l'affronter. Si je tire ici, je devrais l'avoir. Ici. 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 Oh! C'est qu'il est proche là. Touché! Ok, on va essayer d'analyser ses mouvements. Que va-t-il faire maintenant qu'il a été blessé à trois reprises? Il va s'énerver. Il va s'énerver, les amis. Il touche le sol, il touche le sol, regardez! Roberto, c'est devant que ça se passe. Roberto, il faut sprinter un peu là. Il faut s'accrocher aux ailes. Oh purée de Roberto. Oh là là, mais non mais attends, c'est bon, on va anticiper ses mouvements parce que là, avec un cheval pareil, on peut pas faire mieux hein. C'est bon! Allez, allez, Roberto! Ah, c'est totalement raté. Mon petit Roberto! On s'entendait bien, toi et moi! Mais là, je crois que ça va pas bien se passer ensemble. Ça va vraiment pas bien se passer. Regarde-moi ça, il attend tranquillement que les choses se fassent. Alors, me dis pas qu'il va redécoller, lui. Non, c'est bon. Allez, il faut qu'il aille plus vite, hein. Si le cheval va pas plus vite, on va avoir du mal, hein. Parce que vous avez vu la vitesse du colosse? Il est ultra rapide. Oh là 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 là! C'est magnifique. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup j'ai lâché l'aile.
suis un peu bugué hein. Voilà, décolle parce que là je suis bugué. Ça m'arrangerait que tu décolles, mon ami. Oh là là. Est-ce que le bug va s'arrêter? Pour l'instant c'est pas prévu, j'ai l'impression. Je suis obligé de lâcher. C'est bon. Wouh! Montre-moi ton point faible! Créature! Où est-il? Ici! Il était caché derrière. C'est pour ça que je le voyais pas. Allez, c'est très bien là. Finalement, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. J'ai pas beaucoup de dégâts, par contre, je sais pas pourquoi. Voilà, c'était pas trop mal ça. Ok, je crois que celui-là, il est KO. Il va nous faire un petit 360. Il va nous faire un petit 360. Attention! Attention! Magnifique! Des pirouettes de haute voltige, un deuxième peut-être. Non. Il s'est calmé. Oh là là. Accroche-toi. Ah! Le point faible est caché. Le point faible est caché. Oh là là. Oh là là. Non! Non! Ah! C'est terrible! Au secours! Ça ne s'arrête plus! What? On s'est fait maltraiter. Eh ben alors, Roberto! Tu viens te moquer de moi, c'est ça? Ça va, hein? J'ai le droit de tomber un peu quand même. C'était stylé ce que j'avais fait au début. Bon. Hein? Là on va se venger. Parce que c'était pas très gentil. J'ai fait 3-4 roulades, je vais même pas me compter, mais c'est assez violent. Bon, je sens qu'il va sortir du sol là. Vous le sentez là, vous le sentez? Regardez-moi ça là. Et feu! Et le 1! Et le 2! Attention Roberto! Nous sommes trop proches, c'est dangereux! Feu! Feu! Et le 3! C'est incroyable. Ok. Il va se dégonfler. T'as eu une montgolfière. Eh hey Roberto, on a réussi une fois, je crois en toi, on peut le refaire. On peut le refaire Roberto. Tout est possible, il suffit d'y croire. Allez, 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 allez. Oh là 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 là, oh là là les amis. Ce monstre. C'est incroyable. Ah, ce soir... Ce soir, je le sens bien, vous voyez. Je le sens bien, là, ce soir. Bon, par contre, on peut pas aller plus haut tant qu'il a pas décidé de redécoller. Oui, alors... Ouh, du calme. Wow. Stabilise-toi, mon gars. Faut te décider, là. C'est bon. On est bon. Le point faible est à découvert. Tant qu'il décide de flotter. On est bien là, on est bien. Il était violent ce coup. Ok. Mince.
Ah là 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 là, on est sur un deuxième 360. Est-ce qu'on va réussir à atteindre l'extrémité avant qu'il protège son point faible? Je ne sais pas. On court, on court, on court. Non, 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 non. Peut-être que si j'arrive à atteindre le bas de la queue et en restant accroché, sait-on jamais. Oh non, il plonge, il plonge, il plonge. Il va falloir sauter. Salut. Il faut le faire en trois fois, c'est terrible. Impossible d'atteindre son dernier point faible avant qu'il décide de s'enfoncer dans le sol. Il est pas très difficile celui-là. Le plus dur, c'est d'arriver à lui grimper dessus. J'attends que ma proie ressurgisse des sables. Elle se terre, tremblant de peur, face à son minuscule adversaire. Mais pas des moindres, hein. On a quand même 12 colosses à notre actif. Le voici. Il vient de refaire surface. Et de deux. Alors Roberto, on va pas s'arrêter comme ça. Oh, je crois que j'ai eu le troisième. Oh, c'était beau. C'était beau. Parce que j'étais loin quand même, hein. Il va à droite. Il fait quoi là? Il fait quoi? C'était pas prévu ça. Oh là 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 là. Réussir trois fois d'affilée, c'est de la folie. Là ce soir les amis, je sens que ça va être un vrai massacre de colosses. Allez hop. Cette fois-ci il faut se diriger tout au bout. Oh. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge un peu trop à mon goût. Non, 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 il est pas déjà en train de plonger là. Non, c'est bon. Tout va bien. Ouh là 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 là, celui-là il a fait mal. Celui-là il a fait très très mal. Et celui-là servira à l'achever. Magnifique. Une si belle créature. Une de plus.
Une ville abandonnée. Voilà notre prochaine destination. Ce n'est pas un endroit que nous avons déjà exploré. Oui! Finalement, je t'aime bien, Roberto. Ça s'est très bien passé. Ce premier combat. On va pouvoir s'élancer vers notre adversaire suivant. Alors qu'il se trouve... tout là-bas. Ah, ah. Ok, je vois. Eh ben, allons-y. C'est parti. Donc là-bas, il y a plusieurs façons d'y aller. C'est vrai qu'on n'y était pas encore allé là-bas. Mais je vois tout à fait où c'est. Bon, je vous avoue que... J'osais pas trop en parler jusqu'à présent. Pour éviter d'éveiller trop de soupçons, mais je pense que cette histoire ne va pas bien se terminer. Je pense que cette histoire ne va pas bien se terminer, puisque si cet endroit est une terre sacrée, et s'il y a des gens qui cherchent à nous stopper, il doit quand même y avoir une bonne raison derrière. Hein. Si on pouvait ressusciter tout le monde comme ça... Bon, alors, je dis pas que c'est à la portée de tous, hein. Mais quand même face à des actes assez héroïques, malgré tout. Mais je doute fortement que tout ça mène à un résultat fabuleux. Alors à chaque fois j'oublie qu'il y a... Oh là là, magnifique Roberto. Qu'il y a un gouffre ici. Ouais, du coup on va passer par là. Je sais pas si j'ai vraiment pris le chemin le plus court. Mais bon... Tant qu'on y arrive... Non, j'ai clairement pas pris... Ah si, 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 d'accord. Si, c'est ça. C'est là où je voulais aller finalement. On est bon! Oui, ce saut de Roberto défiait toute physique. Toute physique, toute logique. Vous avez vu l'étendue de ces plaines? Allez! Allez, hop, hop, hop. Bon alors, théoriquement, il y a un lézard à cette tour-là. La dernière fois que j'étais passé, j'avais pas récolté le lézard. Donc bon, on va aller jeter un petit coup d'œil. On a de la chance, on devrait le trouver rapidement. Est-ce qu'on l'aperçoit là? Est-ce qu'on aperçoit le lézard? Je l'entends. Sur ma droite. Sur ma gauche maintenant. Il doit être au-dessus. Hein. Oh, il est là. Ça m'a tellement perturbé que je suis tombé. Et tout... Oh, what? Il était tout en haut. J'ai trébuché sur un rocher. Même sur les titans, la caméra elle s'emballe pas autant, quoi. On est obligé de monter parce qu'il veut pas descendre, hein, le lézard, là. Il se cache jusqu'au bout. Non, arrête de courir. Hop là, dans les fesses. Dans les fesses. Oh, on l'a pas tué cette fois-ci, j'ai juste fait perdre sa queue. Bah voilà, c'est très bien ça. Pas de violence finalement. Donc finalement aujourd'hui on repasse par des chemins qu'on a déjà explorés. Vous voyez, il y a des petits lézards ici d'ailleurs dans cette partie de la carte, mais bon, on va pas s'attarder à les prendre puisque déjà qu'un lézard à la queue brillante, ça monte vraiment d'une façon minuscule la barre d'endurance. Excusez-moi, je tape le micro. Alors je vous raconte même pas un minuscule lézard classique, le peu d'endurance que ça offre finalement. Ouais, y en a là, y en a un à gauche là. Mais ils sont moins puissants, ceux-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de quêtes dans le jeu. Alors, écoute, moi je suis là pour tuer du colosse, hein.
Il y en a 16, c'est pas mal. Je pensais même pas qu'il y en avait 16, je pensais qu'il y en avait 8, 10. 16, c'est déjà plutôt beaucoup, je trouve. Les combats sont assez variés quand même. L'apparence des colosses, bon, il y en a 2-3 qui se ressemblent, mais pour l'instant ça va, pareil, c'est assez varié. Et le jeu est très joli visuellement à voyager. À explorer, bon, c'est plus logique comme mot. Donc voilà, on avait découvert en fait cette espèce de zone cachée au sein de cette grande faille. Et je m'étais pas rendu de l'autre côté. Il y a visiblement une ville, les vestiges d'une ville, non loin d'ici. On va essayer bien sûr de découvrir cela. Alors, je vois qu'il y a un passage à droite. Voyons voir au niveau de la carte. Il y a un passage à gauche aussi. Oh, et il y a un temple à gauche. On va plutôt aller à gauche. Ça m'a l'air plus logique. Ça doit être les limites de la ville, ça. Si j'ai bien compris, par rapport à la carte, il faut aller plutôt à droite. Pour l'instant, pas de ville en vue. Vraiment, à chaque fois, je me fais la même remarque. Ces environnements vides comme ça, vides de vie en tout cas, ne sont pas très rassurants. C'est vrai que s'il y a tous ces vestiges et ces villes, malgré le fait que ce soit une terre interdite, une terre sacrée, c'est que forcément, auparavant, peut-être que les hommes vivaient en harmonie avec les titans, et que quelque chose s'est mal passé, et que depuis la terre a été bannie. Et Roberto qui nous fait une petite pirouette, encore une fois. Je crois que la ville se trouve juste en dessous, les amis. Alors, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une ville. En tout cas, il y a quelque chose en bas. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose en bas, qu'on approche de notre destination. Oula! Oula! C'est pas très rassurant, ça. What? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est très joli, mais... Est-ce que je devais vraiment passer par là? Je crois que Roberto ne pourra pas nous suivre lors de cet affrontement. On approche de notre destination. Oh, je crois qu'on y arrive. En fait, la ville n'était pas en contrebas. Elle est ici, sous nos yeux. Waouh! Tout d'un coup, on se croyait dans Uncharted à nouveau! À 2-3 reprises, je m'étais fait la remarque. Youhou! Alors, la configuration de la zone me fait déjà flipper par rapport aux titans qu'on risque d'affronter ici. Le fait d'avoir fait des petit chemin comme ça, je vous avoue que je le sens très très mal. Je le sens très 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 mal. Oh là 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 là. Encore lui.
La version 2. Salut! Regardez, est-ce qu'il peut venir ici? Je crois pas qu'il puisse. Hein. Oh! Oh! Comment est-ce qu'on va faire pour l'avoir lui? Oh! Le point faible est caché sous son armure. Je peux pas aller là. Hein. Et lui ne peut pas descendre. Bon. Si on ne peut pas descendre. Alors dans ce cas-là, il faut monter! Juste derrière. Où est-ce qu'on pourrait prendre de la hauteur ici? Est-ce qu'il y a un endroit pour s'accrocher quelque part? Salut! Oh là là! Ouch! Ouch! C'est la glissade. Bon! Ça n'arrive pas d'une façon ou d'une autre à se relever. Ça va être difficile de lui échapper. Ok, on a une chance de survivre. Par contre, je ne sais toujours pas comment l'avoir. Allez, on peut survivre, on peut survivre. Il faut juste que tu te relèves, mon gars. Faut que tu te relèves. Saute! C'est bon. Comment faire? Quel enfer! Quel enfer! C'est vrai que je peux faire des roulades, je viens de découvrir que je pouvais faire des roulades. Quelqu'un vient me l'expliquer dans le chat là. Je ne savais même pas que je pouvais. Monter en haut de la tour. Je m'en doute bien. C'était pas le plus compliqué à comprendre ça, mais... Comment est-ce qu'on monte en haut de cette fichue tour? Comment est-ce qu'on monte en haut de cette fichue tour? Est-ce que c'était peut-être... Wouhou! Peut-être que la tour c'était l'escalier au tout départ. Parce que là je vois rien pour grimper en tout cas. On va continuer à analyser un petit peu mais... Oula, il est pas loin là. Ah non, il se rapproche particulièrement vite. Là non plus. Ah, ah, là, regardez. Là, on peut. Là, on peut. Allez, grimpe. Oh la vache, mais la caméra, quoi. Hop là. C'est bon. Tais-toi, le narrateur. Merci, ça m'arrangera. Voilà exactement ce que je cherchais à faire depuis tout à l'heure. Sans malheureusement trouver d'endroit pour le réaliser, pour réaliser ce petit saut. Voilà. Là on est bien là. Alors mon gars, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Oh 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 là 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 oh là. Il est pas content. Tiens. Oh. Non. Ouf! Tout va bien! Oh là là, c'est ce que je viens de vous faire. Tout va bien, les amis! La situation est sous contrôle! Il faut continuer à le provoquer! Ah, reviens d'ici tout de suite! Bah alors, elle est plus solide que toi la tour. Fais-moi le malin, hein.
Wow! Tout va bien! On continue comme ça! Qui peut pas m'avoir? Enfin, je crois que. Je crois qu'il a abîmé son armure. Accrochez-vous! Alors, t'abandonnes? Tiens, dans les fesses. Vu la taille de ton fessier, hein? J'arrive même pas à croire que ça arrive à te déplacer! Oh là là, il a pas aimé. Il a pas aimé! Il a pas aimé qu'on critique ses fesses! Wouh! Black Wolf! Merci Black Wolf pour ton subscribe! C'est le moment parfait pour me déstabiliser et me faire échouer. Pour l'instant, on enchaîne. On enchaîne le saut de tour en tour. Je ne tomberai pas. Jamais. Tu entends? Jamais, je te dis. Attention, attention, attention. Celui-là va être difficile. Ah, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait. Ouh! C'était un peu rapide ça, Roberto. Ah ouais, peut-être que siffler ça peut l'énerver en effet. Ouh! Oh oh. Je crois que ça fonctionne en effet. Allez, allez. C'est pas bien fichu ça. Oh non! Ah! Ne pas paniquer! Cette tour est plutôt grande. Oh là là! Du calme, mon gars. Allez, tape la tour si tu l'oses. Wouh! Elle est immense. Elle résiste. Hop là. Il s'y fait. Il arrive. Attendez, mais si je fais tomber cette tour sur la grande tour, là, il va se passer quoi? Pourquoi j'ai pas trop confiance dans cette histoire? Non, non, j'ai pas trop confiance, moi je saute! J'ai pas confiance du tout! Heureusement que je suis pas resté dessus, les amis. Oh là là, heureusement que je suis pas resté dessus! Oh là là! Oh, je serais mort! Je serais mort, hein, tout simplement. Tout va bien, j'ai eu le bon réflexe. Bon. Tout ça. Oh oh! Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Mais il va faire quoi là? Oh! Oh non, attendez! Il va quand même pas faire ça! Il va quand même pas oser faire ça! Si je m'accroche à cette tour, tu vas quand même pas oser foncer dedans. T'as vu à quel point c'est fragile ici? Non. Attendez, j'ai un plan. On peut pas s'accrocher directement à la tour, il faut qu'on grimpe. Il faut qu'on prenne de la hauteur. Oh, allez, grimpe. Grimpe, mon gars. Oui! Aha! Coucou! Et ben voilà, on est sauvé finalement. Tout est bien qui finit bien. Oh oh. Ah d'accord. Ah très bien. Oh. À
Alors là, mon gars, je te laisserai pas faire. Je te laisserai pas faire quoi que ce soit. Tu ne bouges plus à partir de maintenant. C'est fini. Tu es mort. Je te tuerai comme j'ai tué ton frère. Lui aussi était le récalcitrant. J'ai fini par l'avoir. Petit à petit, tout comme je t'aurai toi. Arrête de gigoter. Oh, il a réussi à se libérer. Ah. Reviens là. Reviens là tout de suite. Ah. Il est tombé. Yes. Oh là 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 là, c'est parfait. On a trouvé la technique. Son armure est moins résistante qu'avant. Je suis tellement bien placé que j'arrive à l'enchaîner. Parce que ma stabilité est parfaite en fait sur son dos. Ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent d'être aussi bien placé sur un titan. C'est incroyable. Regardez-moi ça. On l'entend crier. Je vous traduis ce qu'il dit. Il est en train de dire tu cheats, c'est interdit là où tu t'es placé. Oh là 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 là, les amis, il panique face à notre puissance incroyable. Et c'est le finish move. On l'a victimisé. Censure. Admirez ce joli rocher. Yurikuma Olo. Yurikuma Edo Vos Ikan.